Le mariage entre François Hollande et Julie Gayet a été une belle surprise pour de nombreux Français. En couple depuis 2012, souvenez-vous de la fameuse histoire du scooter, l'ancien président de la République et l'actrice de 50 ans se sont dit oui dans la plus grande discrétion ce samedi 4 juin, à Tulle. CST le quotidien La Montagne qui avait révélé que les deux tourtereaux se sont jurés fidélité à jamais. Le mariage a été prononcé par le maire de Tulle et ami proche de François Hollande, Bernard Combe. Mais à part deux photos publiées par le journal, rien d'autre n'avait fuité. Les seules choses connues étaient donc les tenues des deux stars du jour, Julie Gayet s'est mariée dans une robe Hermès blanche et François Hollande d'un costume élégant. Autre point important, la présence de Benjamin Biolay parmi les quelques invités triés sur le volet. Une bonne semaine après cette belle journée, les deux amoureux ont effectué leur première sortie officielle afin d'aller voter pour le premier tour des élections législatives. Benjamin Biolay était le témoin de mariage de Julie Gayet mais François Hollande et Julie Gayet ont également profité de cette journée pour donner quelques détails sur le plus beau jour de leur vie de couple à un journaliste de La Montagne. Ainsi, les lecteurs ont pu apprendre que Benjamin Biolay n'était en fait pas un invité comme un autre, il était le témoin de Julie Gayet, de qui il est forcément très proche. L'autre témoin de la jolie actrice était sa meilleure amie, une certaine Catherine. De son côté, François Hollande a décidé d'attribuer ce rôle à Jean-Pierre Jouyet et Jean-Louis Audrun, deux amis de longue date.